Bonjour, alors voilà mon pack anti-gaspi. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai un bar vidé. Comme ceci. J'ai des salades jeunes pousses. J'ai, ça je les adore, tendre prairie côte de porc fermière. J'ai des brochettes de porc. J'ai une quiche tarte aux noix de Saint-Jacques. Et ben, c'est ce que je vais manger ce soir. Parfait, parfait, parfait. J'ai deux compotes. Tout ça pour 14,90€. J'ai un yaourt, bon, parce que il a dû sortir du packaging. J'ai du lapin. Alors ça, je reconnais que c'est du lapin. Cuisse de lapin, je n'en mange pas. Donc ça, je vais le donner à mon ex-mari. Je ne mange pas de lapin depuis que j'ai mon chat. Waouh, ça c'est quoi? J'ai un gros morceau de bœuf, c'est de la macreuse. Pot-au-feu avec os. Ben, ça, congelé pour l'hiver. Parfait, regardez ça. J'ai, ah ben il va être content, des amandes. J'ai des amandes. Eh, c'est pas top ça, les amandes? Hein? J'ai des amandes. Ensuite, j'ai des steaks hachés, comme ceci. Tout ça, il faut le congeler. Un beurre. Oh, j'en ai acheté un. Un beurre. Ben, c'est pas grave, je vais le congeler. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des haricots verts cuits. Ça, c'est top. Des haricots verts cuits. Waouh, ça c'est bien. Un yaourt grec. Mais ça, je vais en donner à mon ex-mari. Ça aussi, je vais en donner. Des savoureux comme ça. J'en ai 4, j'en ai 6, j'en ai 8. Vous vous rendez compte de tout ce que j'ai pour un pack anti-gaspi? C'est pas fini, hein. J'ai même du poisson, de la tranche de lotte. Oh, je vais faire une bonne recette avec la tranche de lotte. Mais tout ça va aller au congèle, hein, parce que là... Les dates. Ouais, voilà, ça va aller au congélateur. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? Filet pur de veau. Voilà, j'ai de quoi faire pendant 15 jours. Hein. Côte de porc. Mais elle est bizarre cette côte de porc. Côte de veau. C'est une côte de veau. Et... canard de nos régions, émincé de filet. Et, yo, je voulais du fromage. Ça, c'est mon papa qui est avec moi dans mon cœur et qui a... Voilà, je voulais du fromage. C'est du Shelton. Je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. Apparemment, c'est du fromage anglais. Waouh, ça, c'est du Shelton. Je ne connais pas. Je vais regarder, hein. Je ne connais pas du tout. Voilà. Et... encore un yaourt. Voilà, et je vais vous montrer mes courses du jour. J'ai pris des croquettes pour ma fille au poulet. Voilà. J'ai pris des œufs. Ils ont été super gentils, les livreurs. Hein. 1,05€ les œufs. 60 centimes le lait. 3€ le... même pas 3€ les... mais je crois qu'ils sont... je crois que j'ai un paquet en plus, mais je suis pas sûre parce que des fois quand je commande... ça c'est du surimi, je l'ai payé 1,49€. J'ai pris du jambon, bah, pour en avoir, j'ai pris 2 fois 2 tranches. Ah non, ils se sont trompés, 4 tranches, ils se sont trompés. C'est pas grave, hein. 1 fois 4 tranches, 1 fois 2 tranches, c'est pas grave. Hein. J'ai pris du beefsteak haché, c'est à mon avantage en fait. Oh mais si, il disait qu'il n'y avait pas d'ortolan, il y en a un. Oh, je suis contente. Ah ben voilà, et il y a du Shelton. Oh, je suis trop contente. Ça c'est, oh c'est délicieux ça, c'est une dinguerie. 2,20€ et 2€ le ortolan. C'est moins cher que le supermarché. Et une baguette. Vous allez me dire, j'en ai pour 3 semaines là. Une baguette. Ensuite, des cerises, 3,90€ les cerises. Mes fameuses tomates que j'adore, qui sont super charnues,
1 euro quelque chose. Ma salade, cette fois-ci, j'achète de la salade fraîche. Parce que vous savez qu'il y a des salades qui ont été rappelées, celles de Lidl. Voilà, donc une bonne salade que je vais laver. Mais là, je suis en plein déménagement, je ne vous cache pas, dans ma maison. Un citron, 50 centimes. Je suis en plein chamboulement, je viens de recevoir mon lit. Je vous dis, d'avoir eu la terre de mon papa, eh bien, ça m'a motivée à plein de choses. Voilà, et je sais que mon père, il serait fier de moi. Voilà. Eh bien, écoutez, regardez, franchement, les deux courgettes, elles font 1 kg, les deux. Voilà. Voilà toutes mes courses du jour, tout simplement. Et je vous montre. Voilà, tout ça, c'est le pack anti-gaspille. Ça, c'est mes courses. Mais ça, c'est le pack anti-gaspille. Ça, c'est mes courses. Voilà, le pack anti-gaspille. C'est incroyable. Incroyable. Il faut que je congèle tout. Incroyable. Vous avez vu ? Je suis gâtée, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, si ma vidéo vous a plu, ben, mettez un petit pouce. Sinon, bonne journée. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Bye bye.